La France apporte 2 milliards de francs CFA au Burkina pour l'organisation des élections d'octobre prochain. Cette enveloppe est destinée aux structures impliquées dans l'organisation de cette élection. Elle a été révélée ce mardi. Estelle Judith Assoba. Les Burkinabés sont appelés à élire leur futur président et député le 11 octobre prochain. L'organisation de ces scrutins nécessite des moyens colossaux auxquels le Burkina Faso doit faire face. Il peut d'ores et déjà compter sur la France à travers sa représentation diplomatique. Le premier bénéficiaire de cet appui financier est le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il reçoit une enveloppe financière de 100 000 euros, soit 65 millions de francs CFA. Cette enveloppe va servir à la réalisation d'un certain nombre d'activités qui sont indispensables dans le processus électoral. Je vais citer entre autres l'opération de délivrance massive d'actes d'état civil à la population, la relecture de la loi portant quota genre, la formation des acteurs, que ce soit les présidents de délégations spéciales, que ce soit les acteurs politiques en contentieux électoral. Ce sont au total plus de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA, que la France octroie aux structures impliquées dans l'organisation des échéances électorales du 11 octobre prochain. Dans les jours à venir, les autres structures bénéficieront de leur part. Nous accompagnons le processus de préparation et d'organisation des élections et que dans quelques jours, je l'espère, nous signerons avec d'autres bénéficiaires puisque il y a non seulement le MATDS, mais il y a un appui à la CENI, il y a un appui aux organisations non gouvernementales donc de la société civile qui plus tard aussi, il est prévu une aide au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État. À travers ce geste, la France a voulu ainsi diversifier son appui sur toutes les phases du scrutin et auprès de tous les partenaires indispensables pour assurer le processus de l'organisation des élections.